Vendredi 9 juillet, on peut faire un bilan. Michelin va faire un bilan de cette première semaine en solo. Alors, question, pas travail, mais question tâches ménagères, c'est pas reluisant. Parce que il avait prévu, il avait envisagé de faire des choses du genre. Du genre quoi d'ailleurs? Repassage, jardinage, et puis par exemple là, aspirage, ça encore, c'est pas trop gênant, mais le repassage et le jardinage ont été pénalisés par deux faits d'une très grande. Comment dire? C'est vachement merdant. Alors, deux faits, la Coupe du Monde de football. Ça, c'est pas de peau, mais ça bloque quand même quelques soirées. En l'occurrence, ça en a bloqué au moins 5, puisqu'il y a eu jeudi, vendredi, il y a eu 4 quarts et 2 demi-finales. Donc ça m'a bien pris 4 soirs, ça m'a mine de rien 4-5 soirs. Et autre fait très très important et très pénalisant dans le cadre de tout type de travaux, c'est la chaleur. Il fait encore une fois dans les 30 degrés passés, alors qu'il est 8h30 bien sonné. Bon, déjà, Michel M avait complètement laissé tomber l'affaire des lauriers. Non, c'est beaucoup trop, faut attendre. Maintenant, on va attendre qu'il fasse vraiment meilleur. Mais le coup jardinage éventuellement, oui, ça oui. Le coup des coquelicots, ça c'est toujours d'actualité. Il va ramasser les graines et il va les disséminer dans les endroits qu'il a déjà repérés. Et ça va bien en emmerder certains, mais d'autres vont trouver ça très très chouette dans un an. Alors donc, effectivement, en ce qui concerne la maison. Bon, bah, elle se salit tranquillement. Faut dire que l'activité Michel et mienne n'est pas débordante entre le PC sur la table du bois de palissandre et la nuit où il dort. Il n'y a pas beaucoup de choses qui se passent ici. Hein. Il n'y a pas matière à salir quoi que ce soit. Et comme il pleut pas, il n'y a pas de boue. Et cette caméra PC est laborieuse mine de rien. Hein. Il va falloir faire quelque chose là. Déjà pour commencer, Michel M s'est fait cuire des pâtes parce que là il y avait une baisse de forme indéniable. Et même si par temps chaud on ne brûle pas de calories, on est vachement amorphe. Donc il faut que j'arrête, il faut que Michel M arrête avec les donc. Le jardinage c'est fait. Alors, une nouvelle chose vient de se produire, quelque chose de nouveau vient d'arriver. Outre le fait que demain Michel M doit aller livrer un PC portable qu'il a fait commander à l'une de ses clientes, entre guillemets, il faut aussi qu'il aille s'occuper du PC des voisins très charmants, très agréables, comme on aimerait en avoir plus souvent, Pascal et Isabelle H. Point. D'installation de Windows 7 est préconisée de façon indispensable. Ce qui fait que cette fin de semaine sera pas mal occupée, parce que quand on bosse sur un PC, on sait quand on commence, mais on ne sait jamais quand on va finir. Alors même si la livraison du transportable, car il s'agit d'un 17 pouces, ne devrait pas prendre beaucoup de temps, il faut quand même que cette personne, Miss Jeanne-Marie B, qui a déjà laissé des commentaires sur le dessert d'ailleurs, et qui fait partie des émulsariques, à ne pas négliger, tout comme les voisins, qui apprécient particulièrement les caméras PC de Michel M. Jeanne-Marie B était habituée à Windows XP. Il faut que Michel M lui mette un petit peu le pied à l'étrier en ce qui concerne Windows 7.
ce n'est pas une personne, ce n'est pas une gourde, donc de toute façon, elle fait partie des représentantes féminines qui sont assez vives d'esprit. Et ça ne va pas prendre trop de temps, sachant que demain soir, il y a ce fameux repas au sommet avec les autochtones vietnamiens et la plupart des AVNistes. Voilà, voilà pour ce soir, les lots bout, donc il faut mettre les capellini. Donc Kevin M est très friand, à tel point qu'il a demandé à ses parents de lui faire parvenir quelques paquets. Donc il avait demandé à sa mère, à Sylvie T, de lui faire envoyer des capellini. Et bien sûr, une mère c'est comme ça, elle a envoyé 1,5 tonne de capellini. À tel point que Kevin M a dû dire à ses parents, mais il fallait pas l'envoyer tant, hein. C'est pas grave, c'était amusant, c'était une anecdote. Mais les émulsariques qui sont elles-mêmes père et mère d'enfants comprendront tout à fait ce petit détail fort sympathique au demeurant. On va s'arrêter là pour ce soir, ça devient facilement pénible, pas pour Michel M qui pourrait rester des heures et des heures à faire ce genre d'exercice, mais pour les émules Sarik qui sont éventuellement supposés se coltiner de telles séquences qui n'en finissent pas. 4 minutes c'est pas mal, mais là a priori on devra faire autour des 8 minutes, si c'est pas plus. Ceci étant, comme Michel M écrit et Michel M filme pour Michel M, rien à battre des éventuelles fatigues ressenties par les spectateurs et les lecteurs du Bessard. Mais pourvu que ça dure, comme dirait l'autre.